Voici quelques propriétés remarquables d'angles particuliers. Deux angles opposés au sommet ont la même amplitude. Deux angles alternes internes ont la même amplitude. Et deux angles correspondants ont également la même amplitude. Dans tout triangle, la somme des amplitudes des trois angles intérieurs vaut toujours 180 degrés, pi radians. Donc, peu importe la forme du triangle, la somme des amplitudes des trois angles intérieurs vaut toujours 180 degrés, pi radians. Si un angle au centre intercepte le même arc de circonférence qu'un angle inscrit, alors l'amplitude de cet angle au centre est exactement le double de l'amplitude de l'angle inscrit. De cette propriété, on peut déduire de suite que tous les angles inscrits interceptant un même arc de circonférence ont la même amplitude. Et de cette propriété-là, on peut aussi de suite déduire que si on relie un point quelconque d'une circonférence aux deux extrémités d'un diamètre, alors on obtient toujours un angle droit. Donc pour tous les points de la circonférence, on obtient ainsi un angle droit. Il faut juste que ce point soit différent de cette extrémité-là du diamètre, parce que là on n'obtient pas un angle droit, et il faut aussi que ce point soit différent de cette extrémité-là du diamètre, parce que là non plus, on n'obtient pas un angle droit. Mais sinon, on obtient toujours un angle droit. Dans tout quadrilatère inscrit, la somme des amplitudes de deux angles opposés vaut toujours 180 degrés. Donc, dans tout quadrilatère inscrit, peu importe sa forme, les angles opposés, donc ces deux angles-là, ainsi que ces deux angles-là, sont supplémentaires. Et ça va aussi réciproquement. Si un quadrilatère est tel que la somme des amplitudes des angles opposés vaut 180 degrés, pi radians, alors ce quadrilatère est inscrit. Ce qui signifie que, alors, les quatre sommets du quadrilatère se trouvent sur une même circonférence. Si ces informations vous étaient utiles, vous pouvez toujours mettre un petit like à la vidéo. Et si vous souhaitez avoir plus d'explications mathématiques, vous pouvez aller regarder sur mon canal YouTube Mathe by Henri Lennart. Ou peut-être même l'abonner. Je me réjouis de chaque clic, de chaque like et aussi de chaque abonnement.